Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir, merci à vous tous. Mais avant de recevoir le père Viau et de mieux connaître Benoît XVI et son parcours, eh bien je reçois Didier Maisto, mon partenaire du jour. Bonjour Didier. Bonjour Clémence, bonjour à tous et bonne année à et tous. Bonne année, oui, journaliste indépendant évidemment, ancien patron de Sud Radio, on vous connaît bien maintenant, on se tourne tous les deux vers notre invité. Vue de haut. Bonjour Père Viau. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, très bonne année à vous également, merci 2023. À vous, aussi. Vous travaillez au service du diocèse de Paris. Vous faites partie des responsables des funérailles catholiques à Paris. Patron d'émission également à Radio Courtoisie. Les auditeurs vous connaissent bien. Patron de l'émission Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie. Et puis, vous avez été présenté au pape Benoît XVI en 2008. Vous l'avez rencontré. Vous avez été béni et félicité par Benoît XVI pour votre parcours spirituel et votre rôle au sein de l'Église. Et vous avez d'ailleurs écrit deux livres concernant cette rencontre, de Luther à Benoît XVI, itinéraire d'information, et puis Le vrai et le faux, comprendre la pensée de Benoît XVI aux éditions de l'œuvre. Puis on vous avait reçu récemment pour votre livre Le rapport sauvé, une manipulation aux éditions Via Romana. Alors, Père Viau, aujourd'hui, évidemment, on revient sur le pape émérite Benoît XVI, qui avait, je le rappelle, renoncé à sa charge en 2013. Il s'est éteint le 31 décembre donc 2022 à l'âge de 95 ans. Il était cardinal depuis 1980, conseiller inspirateur du pape Jean-Paul II avec le titre de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi dès 1981. Il aura été pape donc de 2005 à 2013 pendant 8 années avant donc de quitter sa charge. Et je le rappelle, quitter sa charge, c'est un fait unique dans l'histoire de l'Église moderne. Je crois que ça n'avait pas été fait depuis le 15e siècle. Il est resté encore 10 ans parmi nous en vivant une vie monacale au cœur des 44 hectares de l'État du Vatican avant donc de nous quitter au dernier jour de l'année 2022. Alors, qui était vraiment Benoît XVI, vous qui l'avez rencontré? Beaucoup de mystères autour de lui. D'abord, bon, c'est intéressant de connaître son action doctrinale, mais également, pourquoi avoir choisi de quitter sa mission papale? On disait qu'il était malade, et il a quand même été encore parmi nous pendant 10 ans. Alors, beaucoup de mystères et d'interrogations, Père Viau, autour de Benoît XVI aujourd'hui. Je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'il était vraiment, pour expliquer, pour comprendre pourquoi il a renoncé. Je prends le terme renoncer parce que je n'aime pas du tout le terme de démission ou d'abdication, ça ne convient pas. Benoît XVI est d'abord un théologien. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 1965 par mon professeur de Nouveau Testament, Oscar Kuhlmann, qui était observateur au Concile Vatican II, observateur luthérien, puisque vous savez que j'étais pasteur luthérien pendant longtemps, et que justement Oscar Kuhlmann avait été extrêmement impressionné. Kuhlmann y a dû naître en 1902, voyez-vous, et Benoît XVI, lui, est né, Joseph Ratzinger est né en 1927, je pense. Donc il était plus jeune que Oscar Kuhlmann. Et à ce moment-là, en 1965, Kuhlmann était un exégète très connu du Nouveau Testament, enfin de renommée internationale, et il avait été impressionné par ce jeune professeur de théologie qui était l'expert conseiller du cardinal archevêque de Munich de l'époque, c'était son diocèse, et il m'avait dit, vous verrez, je me souviens encore, c'était en 1965, place du Tertre, je l'accompagnais à son studio, de donner des cours à l'école des hautes études que je suivais, à Sorbonne, et il me disait, vous verrez, cet homme-là, il ira loin, 1965. Bon, c'est avant tout donc un théologien, et si vous regardez, alors maintenant on va se transporter justement au moment de la renonciation, en 2013, eh bien, j'ai suivi ce pontificat, je dirais, année après année, puisque j'étais à ce moment-là prêtre à Blois, dans le diocèse de Blois, où j'étais ordonné, et j'étais ordonné en 2003, donc ça va faire 20 ans, le 29 juin prochain, et j'ai créé en 2007 l'association Écouter avec l'Église,
pour justement soutenir le pontificat de Benoît XVI, non pas qu'il ait eu besoin de mon soutien, mais je pensais qu'un soutien associatif pour expliquer certaines choses serait utile, parce que vous savez bien que quelquefois, disons, il a été mal relayé par la presse, oui, hein, et par les médias. Oui. Bon, et même, je dirais très clairement, critiqué, qu'il y a certains médias qui ont saboté son pontificat. Alors, quand on arrive en 2013, donc moi je vous dis, j'étais souvent à Rome, et j'ai eu le privilège donc de rencontrer ses collaborateurs, j'ai rencontré lui une fois, plus longuement, mais en 2013, il y avait de nouveau des problèmes d'ordre financier, hein, qui se posaient au Vatican, et c'est une chose pour laquelle, disons, Benoît XVI n'était pas fait. Et il en a eu, là je pense qu'il en a eu vraiment assez, et il a fait faire l'enquête, hein, il a fait faire les enquêtes, mais ensuite le dossier étant bouclé, et ben il a renoncé pour laisser à son successeur le soin de terminer, parce qu'il était aussi fatigué, et que, voyez-vous, il n'avait pas, comme Jean-Paul II, il a estimé qu'il ne pouvait pas s'en remettre complètement à quelqu'un comme Jean-Paul II avait pu le faire. Moi, je suis témoin de la fin du règne de Jean-Paul II. Si Jean-Paul II a pu aller jusqu'au bout, c'est parce que justement il y avait Joseph Ratzinger. Mm. Et que quand on dit qu'il n'est devenu pape en 2005, oui, c'est vrai, mais il s'est occupé des affaires de l'Église bien avant. D'accord. Bien avant. Donc finalement, vous pensez que ce sont avant tout ces problèmes d'ordre financier qui ont poussé... pousser Benoît XVI à quitter sa charge. Parce que Benoît XVI était un théologien à l'origine, qui est devenu un pasteur, par grâce d'État, hein, et qui a eu une dimension pastorale à laquelle finalement on ne s'attendait pas. On s'attendait beaucoup à un enseignement purement théologique, dogmatique, mais la dimension pastorale, il l'a eue, et il était fait pour ça. Il n'était pas fait pour examiner des problèmes de compte en banque ou des détournements de l'argent quand il y en a eu, ou des mauvaises affaires, vous comprenez. Oui, parce qu'il avait aussi abordé un autre sujet fondamental, hein, celui de la corruption de l'Église, qui peut être lié au premier sujet financier. C'est ça. Il avait été le premier à révéler les secrets honteux du personnel ecclésiastique et à pleurer sur, je le cite, hein, cette barque de pierre qui fait eau de toutes parts. Voilà, c'est ce qu'il avait dit durant le film. Alors, oui. Je pense que vous faites allusion à la question des abus sexuels. Oui. Il est quand même le premier à les avoir dénoncés en 1995. Mm. Hein, j'entendais certains de vos confrères sur d'autres chaînes, bien entendu, parler du fait qu'il n'avait rien fait. Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai il du est tout. Le premier à avoir pris des, oui. Hein, et non seulement avoir dit, mais avoir pris des mesures, même contre des gens haut placés. Voilà, c'est tout. Mais malheureusement, on ne l'a pas suivi. On n'a pas suivi les méthodes qu'il préconisait, parce que l'Église avait dans sa besace tous les règlements et tous les moyens qu'il fallait pour venir à bout de ces abus. Donc, hein, voilà, si on résume... D'autant plus que ceci n'était pas aussi, n'était pas en nombre ce que nous a raconté. Enfin, là, je reviens à mon livre. Mais bon, c'est pas une question de chiffres, si vous voulez. Quand bien même qu'il y en aurait eu beaucoup moins, c'est scandaleux. Et il aurait fallu agir autrement qu'on ne l'a fait. Seulement, vous comprenez que il faut se souvenir. Et moi, je m'en souviens bien parce que je suis né en 1944. Donc, j'ai connu ces deux époques. L'époque où on taisait ces choses et l'époque où il fallait en parler. Voilà, c'est tout. Oui, et c'est le cardinal Ratzinger qui en a parlé en premier. Enfin, vraiment, qui a fait son premier vrai mea culpa sur cette question-là. Et donc, à vous entendre, hein, vous allez me dire si je vous résume un peu trop simplement... le pape Benoît XVI s'est vu confronté à ces problèmes de corruption dans l'Église, d'abus dans l'Église, de corruption financière, et finalement s'est dit c'est un trop gros morceau pour moi. Oui, compte tenu de son âge aussi. N'oubliez pas qu'il a été élu pape, il avait 78 ans. Il l'a fait remarquer, d'ailleurs ce n'était pas du tout, c'est vrai, l'homme qui ne voulait pas être pape, c'est tout à fait exact, son désir était de retourner en Bavière, vous savez combien il aimait la Bavière, je connais la Bavière puisque quand j'étais luthérien, notre église était jumelée avec l'église de Bavière, et il voulait retourner en Bavière, lire et puis jouer du Mozart, parce que il jouait beaucoup, enfin il était musicien.
et comme son frère d'ailleurs, et il appréciait beaucoup Mozart. C'est un point commun que nous avons tous les deux. Oui, mais ça, on pourrait dire, et après, Didier Maïsso, je vous laisse la parole, on pourrait dire, oui, mais tout de même, ça fait partie du sens du sacrifice du pape que de faire passer ses intérêts et ses volontés d'écouter du Mozart en Bavière, ce qu'on peut comprendre tous, et de faire passer d'abord les intérêts de l'Église. Bah, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi ? Bah, c'est ce qu'il a fait. Quand il a su, parce que maintenant, hélas, on nous révèle le nombre de voix des tours au conclave, alors qu'en principe c'est secret, mais on sait qu'au troisième tour, il était quasiment élu. Bon, ben voilà, il était élu. Bon, ben quand il a vu ça, que voulez-vous ? C'est la volonté de Dieu, et il s'est incliné comme il l'a fait toute sa vie d'ailleurs. Mmh. Et ses derniers mots, Jésus, je t'aime, c'est déjà le fait d'accepter. Parce que vous savez, ce qui fait le pape, c'est pas seulement, il faut bien s'en souvenir, c'est pas seulement le vote des cardinaux, parce qu'on on demande est-ce qu'il accepte le vote. Et s'il dit qu'il n'accepte pas, il n'est pas pape. Donc, en acceptant le vote, déjà il disait « Jésus, je t'aime ». ». Voilà. Parce qu'il sacrifiait, effectivement, plusieurs années de sa vie. Oui. Mais il l'a fait au service de l'Église, et il l'a très bien fait. Il l'a fait avec beaucoup de grandeur et beaucoup d'efficacité, et ça laissera une trace extrêmement importante. On va revenir également sur la trace qu'il a laissée, mais d'abord la parole à Didier Maïsto. Oui, c'est un secret pour personne. L'Église perd du terrain, je dirais, dans la spiritualité en France. Il y a moins de fidèles. On peut en comprendre les raisons, par le fait d'une société devenue sans doute très matérialiste, mais n'y a-t-il pas aussi des raisons internes à l'Église, justement avec une administration devenue pléthorique, des problèmes financiers qui la coupent de ses fidèles et qui la coupent finalement de sa mission première qui est pastorale? Bah, effectivement, là, vous savez, c'est très disparate. Le ministère qui m'a été confié entre 2014 et 2018, c'est-à-dire comme aumônier national des anciens combattants catholiques, m'a permis de voyager dans toute la France. Puisqu'il fallait voir les associations d'anciens combattants, et par conséquent, de voir un petit peu comment était l'Église catholique en France. Et c'est extrêmement variable selon les endroits. Vous avez des lieux où on est très proche des préoccupations du peuple chrétien, et d'autres, on se demande si les responsables ne vivent pas dans une bulle. S'ils vivent dans le même monde que leurs fidèles, voilà. Alors, ça, c'est quand même un problème, voyez-vous. Et je crois, c'est un message qu'a voulu faire passer Benoît XVI et qui me paraît extrêmement important. C'est la beauté des messes. Et quand je dis la beauté des messes, c'est le respect de la liturgie, c'est la beauté de la musique, c'est aussi des homélies qui apprennent quelque chose, qui élèvent l'esprit, enfin des choses, ça se prépare tout ça. Bon, ça ne doit pas être traité à la légère. La preuve, et c'est ça je peux vous le dire, c'est pour ça que je parle des voyages en France, je dis que partout où on fait du catholicisme, au sens où l'entendait Benoît XVI, eh bien ça marche. Les évêques qui ouvrent des séminaires où on enseigne vraiment la doctrine catholique, ça marche. Et dans les paroisses où on respecte la liturgie et où on fait attention aux choses fondamentales, où les prêtres ne sont pas à courir partout, mais sont disponibles pour écouter les gens en confession, pour prendre leur temps, pour préparer des obsèques, etc., eh bien, ça marche, c'est tout. C'est aussi simple. Justement, est-ce que ce n'est pas le point principal ? Est-ce qu'on n'a pas finalement trop séparé le rite, tout ce qui entoure la religion catholique, la façon dont elle se développe, dont elle s'exprime, dont elle peut entrer dans le cœur des gens, et le reste en fait ? Est-ce que ce n'est pas fondamentalement lié ? Est-ce que ce rite justement, c'est le fait de respecter le rituel, pour le coup, le fait de chanter, le fait d'avoir un silence dans les églises, de respecter la tradition. Est-ce que l'Église aussi n'a pas été rattrapée par
le relativisme de la société. Et est-ce qu'on n'attend pas aussi des papes, peut-être des missions pour lesquelles ils ne sont pas faits? Je m'exprime rapidement. Le relatif, on leur demande le relatif et jamais l'absolu. Alors, un pape doit faire respecter le dogme, puisque c'est une religion révélée. S'il est dans le relatif, c'est la fin du dogme. Et c'est donc non, on ne peut pas, bah justement, on ne peut pas être dans le relatif. D'ailleurs, un des grands combats de Benoît XVI, c'est d'être contre le relativisme et contre le syncrétisme. Ce sont les deux mots qui rongent le catholicisme moderne. Hein. Il existe dans notre Église catholique tout un courant relativiste, syncrétiste, oui, moderniste, et qui fait que, au fond, il faudrait adapter le rite à la société, alors que c'est pas du tout ça. Dans une société traditionnelle où il y a un rite, c'est à l'homme à s'adapter au rite. Voyez-vous? Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle Benoît XVI, par exemple, a demandé. Il ne remettait pas du tout en cause la messe de Paul VI. La messe de Paul VI, elle est très belle, mais à condition déjà qu'elle soit bien traduite. Et moi, je me souviens, j'étais prêtre à Blois, c'est sous le règne de Benoît XVI qu'il a demandé une retraduction du missel, et que nous avons eu enfin en France il y a un an. Voyez-vous, comme quoi les problèmes étaient beaucoup plus sérieux. On nous a dit, oh, ben vous coupez les cheveux en quatre. Bah écoutez, comment se fait-il que les Anglais l'ont eu 10 ans avant nous et nous seulement 10 ans après? C'est bien qu'il y avait un problème pour la langue française, vous comprenez? Mmh. Et bon, on a une traduction qui est bien meilleure. À mon avis, on peut mieux faire. Mais c'est déjà beaucoup et on lui doit déjà beaucoup. Parce que, on le voit bien dans certaines expressions, on a été beaucoup plus fidèle au texte latin de Paul VI et on y a beaucoup gagné. Et bon, bah, il faut que les gens s'y mettent et jouent le jeu. Mais là encore, on peut remarquer qu'il y a des endroits où vraiment on a l'impression que ce missel n'existe pas. Alors, je voudrais qu'on en reste. Qu'on continue sur l'héritage donc, de Benoît XVI. Vous avez parlé de ce missel, de cette nouvelle traduction. Puis il y avait vraiment cette question de la volonté pour Benoît XVI de réinstaurer une continuité entre l'enseignement des conciles antérieurs, entre la messe traditionnelle. Oui, c'est l'herméneutique de continuité, tout et à oui, fait. Ouais. Et voilà, et de bien montrer qu'on ne pouvait pas lire Vatican II sans référence à Vatican I, et au Concile de Trente. Moi, je pense que c'est possible. Alors je sais que j'ai eu de longues discussions avec des amis, on dirait donc, traditionalistes, et notamment sur la question de la liberté religieuse. Je prends exprès le problème qui fâche. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. Bon. Non. Mais écoutez, Benoît XVI a excellemment dit les choses. Parce que pendant tout le temps du Concile, ça va peut-être surprendre certains catholiques que je dise cela, certains de mes frères catholiques, mais j'avais la chance d'être protestant. C'est-à-dire qu'on m'a commenté Vatican II à la Faculté libre de théologie protestante de Paris. Donc j'ai eu un commentaire de Vatican II qui était honnête. Alors qu'effectivement, il y avait des commentaires de Vatican II qui étaient pour le moins étranges. Et Benoît XVI a eu une formule extraordinaire, c'est de dire « il y a eu le Concile réel auquel j'ai assisté, et il y a eu le concile médiatique. Oui. » Voilà. Et on a trop vécu sur le concile médiatique, et en particulier sur la liberté religieuse, pour dire, ben voilà, dans l'Église catholique, au fond, on dit dans la liberté religieuse, finalement, que toutes les religions se valent, et que l'essentiel, au fond, c'est d'être sincère. Mais jamais, on n'a jamais dit ça. Dans Dignitatis Humanae, on n'a jamais dit ça. On constate, mais comme l'ont fait les pères de l'Église, vous savez, Dieu est créateur de tout l'univers visible et invisible. Il n'a pas laissé les païens dans une nuit totale. Il suffit de lire, par exemple, les deux premiers chapitres de l'épître de saint Paul aux Romains. Voyez-vous, donc, Benoît XVI n'a rien... Enfin, je vais dire, pardon, Vatican II n'a rien inventé. C'est le début de l'épître aux Romains. Bon, il y a dans les autres religions des traces de vérité, c'est sûr. Mais la plénitude de la vérité ne se trouve que dans l'Église catholique en qui subsiste l'Église du Christ et en qui seule subsiste l'Église du Christ. Et ça, Vatican II l'a affirmé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ et que si
Dieu, dans sa miséricorde, sauve d'autres personnes que des catholiques, ce que nous devons souhaiter, espérer, eh bien, elles le seront par Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Et Vatican II n'a pas dit le contraire. Mais justement, c'est intéressant, Père Viau, cette faculté de Jésus, 2023 ans après sa naissance, d'être une sorte de pop star planétaire, y compris auprès des jeunes. Il est très populaire, Jésus. Hein. Certains disent que c'est le premier hippie, c'est le premier babacool. Oh bah vous savez, j'ai connu ça en 68. Hein, oui. Voilà, non, mais j'allais dire, il traverse les époques. Il est réinterprété, récupéré, transcendé, appelons, disons les choses comme on veut. Mais comment se fait-il réinterprété, que Jésus… Réinterprété, je veux bien, mais récupéré, je n'aime pas. Voilà, non, mais bon, chacun peut avoir son petit Jésus personnel. Non, mais ce que je veux dire par là… C'est le Jésus de l'Église, c'est le Jésus de l'Église qu'il faut avoir. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, il y a ce côté très intime de la part des citoyens, des fidèles à Jésus. Comment vous expliquez ce schisme avec l'Église, avec un grand E majuscule, Jésus très populaire, et l'Église qui est catholique, qui est quand même issue, comme vous l'avez dit, du Christ, qui vient porter le message christique, n'est pas comprise, est un peu délaissée. Comment vous expliquez ce hiatus ? Alors, écoutez, on va d'abord… Ne parlons que de l'Église, parce que je pense qu'il faut… Avant, il ne faut pas accuser les autres, il faut d'abord balayer devant sa porte. Et donc, voir quels sont justement les torts de l'Église. Je pense que, vous savez, c'est à chaque fois qu'il y a des problèmes dans l'Église, il suffit de voir l'histoire de l'Église, ça correspond toujours à une crise de la prédication. Il y a eu, au temps où j'étais encore à Paris, c'était juste avant que je devienne catholique, il y a eu une enquête où des gens se mettaient à la sortie des églises catholiques ou protestantes en demandant aux fidèles ce qu'avait dit le pasteur dans le sermon ou le curé. Ben, personne ne le savait. Parce que personne n'écoute. Et il y a un problème. Si bien, alors on a cru résoudre le problème en diminuant le temps de prédication. Si jamais vous dépassez les 10 minutes, c'est épouvantable. Bon, alors on arrive à descendre juste des fois à 5 minutes. Bon. C'est pas une solution. Hein. C'est pas une solution. Comment voulez-vous qu'on puisse enseigner le peuple de Dieu de cette façon-là? Surtout, par exemple, quand vous avez à prêcher sur des passages de l'Évangile selon saint Jean, qu'on ne peut pas couper. Hein. Le récit de l'aveugle-né, si vous voulez parler de l'aveugle-né, on ne peut pas prendre un ou deux versets, non. Il faut lire tout le texte. La Samaritaine, il faut lire tout le texte. Bon, alors, il y a un problème de transmission, de prédication. Alors, ça se fait à deux niveaux. Il y a le problème du catéchisme, et puis il y a le problème de l'enseignement du dimanche matin. Bon, le catéchisme, je suis désolé, mais souvent, ça se réduit à des coloriages, à des dessins, enfin bon. Mais il n'y a pas d'effort intellectuel. Alors, vous me direz, ça correspond aussi à la baisse du niveau dans l'enseignement. Tout va ensemble, hein, tout va ensemble. Mais c'est vraiment une crise de la culture chrétienne, c'est absolument épouvantable. Et vu ma génération, puisque je suis né en 1944, comme je vous l'ai dit, donc je fais partie de ceux qui ont connu les églises pleines, avec les catéchismes tout de même assez conséquents, des homélies assez conséquentes. Dans le protestantisme, c'était 20 minutes ou 30 minutes l'homélie, n'est-ce pas? Et les gens n'auraient pas aimé que cela durât moins longtemps, hein. C'était pas possible, parce que le pasteur s'est fiché de nous, il n'a pas préparé. Bon, donc, il y a un problème d'enseignement, voyez-vous, de culture chrétienne qu'il faut retrouver. On va continuer d'en parler, hein, de ce problème de crise de l'éducation chrétienne, et puis pourquoi pas, puisqu'on a parlé du schisme finalement entre le concile des journalistes, comme l'appelait Benoît XVI, et le véritable concile, celui des évêques, peut-être d'une forme de manipulation également. On va continuer de parler de tout ça, puis même de relations entre Benoît XVI et François, le pape François. Mais il est l'heure de faire un point sur les informations. Il est 9h sur Ligne Droite. Je me tourne vers Emmanuel Noël. Ligne Droite. Très haut, très haut.
Vue de haut. Et nous parlons aujourd'hui de la disparition du pape Benoît XVI, le pape émérite, hein, qui avait renoncé à sa charge en 2013 et décédé donc à l'âge de 95 ans, décédé le 31 décembre 2022, 31 décembre dernier. Et pour en parler, nous sommes avec Michel Viaud, qui travaille au service du diocèse de Paris, qui fait partie des responsables des funérailles catholiques à Paris, patron d'émission évidemment à Radio Courtoisie, Lumière de l'Espérance, et puis surtout qui a rencontré le pape Benoît XVI en 2008 notamment, qui a été béni, félicité par celui-ci pour son parcours spirituel et son rôle au sein de l'Église, avec notamment ses deux livres qui ont suivi, De Luther à Benoît XVI, Itinéraire d'un franc-maçon ou Le vrai et le faux, comprendre la pensée de Benoît XVI aux éditions de l'œuvre. Et puis je citerai le dernier livre publié de Michel Viaud, Le rapport sauvé, une manipulation. C'est un point d'interrogation aux éditions Via Romana. Et puis pour cette interview, nous sommes toujours avec Didier Maistre, ancien patron notamment de Sud Radio et journaliste indépendant. Alors on revient, on parlait de la crise de l'éducation chrétienne, Père Viaud, avec notamment ces catéchismes dont vous parliez et ces homélies qui ont tendance à être de plus en plus courtes ou de plus en plus simplifiées, enfin, qui ont eu tendance en tout cas. Et je voudrais revenir sur cette question que vous abordiez tout à l'heure, qu'avait noté Benoît XVI, cette distinction finalement entre le concile dit qu'il avait nommé le concile des journalistes, enfin médiatique ou concile des experts, et le vrai concile, celui des évêques. Cette fracture finalement qu'il y a eu entre l'interprétation du concile et puis ce qu'elle était réellement. Et je me demande s'il n'y a pas un rapprochement à faire avec le rapport sauvé et votre livre, hein, le rapport sauvé, une manipulation. Finalement, est-ce que derrière ça, il n'y a pas toujours une volonté de destruction du message, du premier message de l'Église ? Oui, je comprends, je ne m'attendais pas à ce rapport, mais finalement, ça me paraît assez juste, dans la mesure où, pour ce qui s'appelle le concile médiatique, ceux qui l'ont faussé, en quelque sorte, sont des gens qui, on le voit bien par leurs écrits, finalement, veulent une réforme profonde de l'Église catholique qui les amènerait finalement à une sorte de protestantisme. Pour faire simple, c'est le synode allemand actuellement. Hein? Voilà. Mais les idées qui sont développées dans l'Église catholique d'Allemagne, elles existaient déjà au moment du Concile Vatican II. Et comme moi, je l'ai vu du côté protestant, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je croyais beaucoup à l'œcuménisme, mais je savais aussi, parce que j'ai quand même de bons professeurs d'histoire de l'Église, que l'Église catholique ne pouvait pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, devenir ce que le concile médiatique nous disait qu'elle devenait. Mmh. Vous comprenez ? Parce que les gens qui rapportaient en quelque sorte le concile des évêques et qui faisaient le concile médiatique avaient une idéologie opposée en fait à la tradition catholique. Et ça n'a pas échappé à nos professeurs de théologie, tant luthériens que réformés, en disant bon, ben, là, il y a des choses qui ne vont pas, c'est tout. C'est d'ailleurs, Oscar Kuhlmann l'avait dit à Paul VI. En 1965, n'est-ce pas ? Il avait dit à Paul VI, notamment, puisque Paul VI lui avait demandé, il était ami personnel de Jean XXIII, Paul VI, et Paul VI avait demandé son avis, enfin sur la réception du concile, et Oscar Kuhlmann avait dit, très Saint-Père, il faudrait faire comme nos réformateurs et être aussi dur avec votre gauche que vous l'êtes avec votre droite. Mmh. Voilà. Et c'est là que Paul VI a parlé des fumées de Satan, oui. Déjà. Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis que vous avez cette belle confession de foi de Paul VI en 1968 contre le catéchisme hollandais. Vous avez, voilà, avec le catéchisme hollandais, vous aviez déjà des relents de protestantisme. Eh bien, vous comparez mon livre avec l'histoire du rapport sauvé. Mmh. Ce qui me frappe, moi, dans le rapport sauvé, c'est que cette commission... soi-disant, elle était peut-être indépendante, mais elle n'était pas neutre. Hein. Parce que quand vous voyez les membres qui la composent, ce sont tous des partisans, disons, du modernisme catholique, quand ce n'est pas de l'anticatholicisme, vous comprenez ? Mmh. Alors là, c'est pour ça que je ne suis pas du tout que j'ai fait ce livre et que je vois finalement
je suis heureux de l'avoir fait, parce que je vois que M. Sauvé s'entête dans ses faux calculs, hein, et qu'il en est maintenant à dire que ceux qui le critiquent, il sait qu'il n'a pas été reçu par le pape. Je ne suis pas dans les secrets du pape François, mais je pense que le pape François est entouré tout de même au Vatican. On a des spécialistes. Puis on a des spécialistes en statistiques, etc. Bon, comme tout simplement comme Monsieur De Vels de l'institut qui a fait la préface du livre que j'ai écrit avec Yoann Picard. Bon, mais tout simplement la méthode est mauvaise et je vois que Monsieur Sauvé s'y enferme et on voit très bien que c'est là le rôle de l'idéologie. Parce que le rôle de nous dire 330 000 victimes, c'était pour dire voilà, il y a le feu, il faut changer tout de suite, et donc nous proposer des changements qui ne sont pas acceptables sur le plan catholique. Alors, il en est maintenant à dire voilà, je n'ai pas été reçu par le pape parce qu'on m'a calomnié, mes ennemis m'ont calomnié, donc moi je suis dans l'eau, mais enfin, évidemment, il n'a pas cité de nom, et il a rajouté cette chose que je trouve absolument anormal de la part de quelqu'un qui était au Conseil d'État et vice-président du Conseil d'État, que tous ceux qui l'avaient critiqué étaient des anti-François. Vous vous rendez compte ? Alors, moi, je serais un anti-François, ainsi que le père Armogate, que d'autres membres éminents de l'Académie catholique. Non, mais ce n'est pas du tout anti-François, pas du tout. Justement, quel regard portez-vous sur le pape François, le pape actuel, par rapport à Benoît XVI, quelles sont les différences fondamentales que... D'abord, on ne porte pas des regards par rapport à... On a reçu un pape de la part de l'Esprit-Saint par le conclave, et il est le pape, un point, c'est tout. Et donc, on lui obéit. C'est un autre caractère, évidemment. Je vous apprends rien. C'est pas une découverte, c'est pas un scoop. C'est un autre caractère, une autre façon de voir les choses. Je vais être plus précis. Par exemple, quand le pape se fait le turiféraire de la vaccination mondiale, est-ce que l'Église est dans son rôle? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous dites, là, il fait de la politique, il sort... Il a parlé d'un vaccin, le principe du vaccin. Moi, je suis pour le principe du vaccin. Je trouve que c'est bien d'être vacciné à condition d'avoir affaire à des vrais vaccins. C'est tout. Alors maintenant, après, l'appréciation de savoir la valeur du vaccin, ça, c'est une autre histoire. Et je dirais que l'autorité pontificale, l'infaillibilité pontificale ne joue pas pour dire si un vaccin est bon ou pas bon. C'est très jésuite comme réponse. Écoutez, je me fie à... Sur la question de la foi. Non, le pape est gardé d'erreur par l'Esprit-Saint quand il parle en tant que successeur de Pierre sur des questions touchant la foi et les mœurs. La validité d'un vaccin n'entre pas dans cette définition. Alors, si on continue sans dresser un tableau de comparaison entre Benoît XVI et le pape François, peut-être tout simplement voir la continuité ou pas de l'œuvre de Benoît XVI, parce que notamment cette question, on l'a parlé tout à l'heure, d'union entre la tradition et la modernité, c'est pas ce qu'a l'air de vouloir le pape François. Je crois qu'il faut pas dire cela, parce que le pape François a tout de même, d'une façon très précise, en 2016, au moment de l'année de la Miséricorde, validé tous les actes de la fraternité Saint-Pédis. Oui. Il n'a, jusqu'à Traditionis Custodes, il n'a absolument rien changé, il n'est pas revenu, cette validation est restée, ainsi que les confessions, il n'est pas revenu là-dessus. Donc, si vous voulez, il a fait beaucoup pour du côté des traditionalistes. Il y a eu Traditionis Custodes. Je ne vais pas échapper à cette question, effectivement, qui nous a surpris. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce texte, le pape donne forcément, heureusement, une raison. Il craint que l'usage de l'ancienne liturgie et que, surtout, l'usage des sacrements selon l'ancien rituel donne naissance à une Église parallèle. Voilà. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a une restriction pour les diocèses, mais pas du tout pour les instituts
qui dépendaient avant d'Ecclesia Dei. D'ailleurs, par exemple, les amis de l'Institut du Bon Pasteur pourront vous le dire, ou de la Fraternité Saint-Pierre, ne sont pas du tout inquiétés, ou le Christ Roi, ne sont pas du tout inquiétés et peuvent continuer. Bon, c'est simplement au niveau des diocèses, et c'est effectivement ennuyeux. Alors, la question est de savoir, et ça c'est, je dirais que la balle est dans le camp des évêques, puisqu'on a assez insisté à Vatican II, et c'est pas le pape François qui reviendra là-dessus, sur la collégialité. Oui. Hein. Donc, et que les évêques ont posé, et on peut même dire lesquels, puisque c'est public, l'archevêque de Lyon et l'archevêque de Paris de l'époque, Monseigneur Petit, ont posé la question au Saint-Père en ce qui concerne la forme extraordinaire, cette expression de Benoît XVI, pour justement bien insister qu'il n'y avait qu'un seul rite romain. Hein. Il n'y a pas deux rites, il n'y a pas un rite extraordinaire. Non, il y a un rite romain en forme ordinaire et en forme extraordinaire. Bon, et sur cette question de la forme extraordinaire, ils ont demandé au Saint-Père, mais enfin, est-ce que dans un certain nombre de cas, est-ce qu'il faut faire jouer vraiment ce qui compte d'abord, est-ce que c'est le règlement de traditionnis custodes ou les questions pastorales? Et le pape François a dit les questions pastorales. Donc, les évêques ont une très grande liberté pour adapter traditionnis custodes aux circonstances et aux besoins spirituels de leurs fidèles. Il faut qu'ils y soient extrêmement attentifs. Je pense qu'ils y sont. Mais là aussi, ça peut être variable selon les régions. Mais il faudra se poser la question au bout d'un... Parce que en France, moi, je n'ai pas vu... Parce que je dis la messe dans les deux formes du rite. Hein, mais je n'ai pas vu l'émergence d'une église parallèle là où je disais la messe dans la forme extraordinaire. Bon. Mais on m'a dit que c'était différent aux États-Unis. Alors, bon, je ne connais pas l'Église catholique aux États-Unis. Alors, il faudrait voir. Bon. Et donc, je pense que le temps aussi, certainement, arrangera les choses. Mais, comme disait l'autre, il faut laisser du temps au temps, et il faut aussi que les évêques fassent leur métier d'évêque, d'enquêter. Hein, l'épiscopos en grec, c'est un inspecteur. C'est pour ça que chez les luthériens, on disait inspecteur ecclésiastique. Hein. Eh bien, il faut savoir exactement faire un bilan des lieux et puis savoir si on a affaire à des gens qui vraiment n'acceptent pas Vatican II, ou alors au contraire, s'il y a eu malentendu, et à ce moment-là, rétablir les choses. Mais je pense, parce que je vois très bien depuis 2000, depuis Summorum Pontificum, c'est 2008-2009, je me souviens exactement de la date, depuis Summorum Pontificum jusqu'à maintenant, je vois bien que dans les assemblées, où on célèbre la messe en forme extraordinaire, je l'ai constaté moi-même il y a encore quelques semaines, le nombre de jeunes augmente. Beaucoup de jeunes sont intéressés par cette forme de messe. Alors, voilà. Et ils n'ont pas du tout l'intention de faire une église parallèle, autant que je vois. Pour eux, le pape, c'est François, et puis c'est tout. Voilà. Donc, il faudra certainement revoir cette position, mais le faire dans la paix, dans la discipline, et en se souvenant que le pape est le pape, et que nous sommes dans une église hiérarchique, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Encore une question concernant, est-ce que vous savez si le pape Benoît XVI et le pape François avaient continué d'échanger pendant ces 10 dernières années, quand le pape a... Comme vous, je ne suis pas dans les confidences du pape François, mais quand même ce que je sais, oui, il y a échange, parce que le pape François est un homme curieux. Quand je dis curieux, c'est pas... Enfin, curieux des choses, si vous voulez. Bon. Et qui s'intéresse justement à des pensées qui ne sont pas forcément les siennes. C'est la formation jésuite, ça, vous savez. Et j'ai été initié à ce qu'étaient les jésuites, au fond, par le père Michel Riquet, qui m'a honoré de son amitié pendant plusieurs années. Je l'ai vu jusque sur son lit de mort. Et je pense que cette formation jésuite, quelquefois, elle nous harcèle un petit peu, parce que nous ne sommes pas habitués à cette forme de raisonnement. Et ce qui doit nous rassurer, c'est que justement,
un homme qui était formé par l'esprit jésuite, même s'il devient pape, il n'a jamais oublié l'importance du discernement. Et donc, pour lui, il faut aller au fond des choses. Et je pense que Benoît XVI, étant d'un caractère différent et d'une approche de la théologie et de l'Église différente, tout en ayant ce socle commun du catholicisme, je pense que Benoît XVI devait vraiment intriguer François. Mmh. Et que, en plus, vous savez, enfin, tout de même, il faut bien se souvenir aussi un petit peu de l'histoire, c'est que François a été sorti du... avant d'être archevêque de Buenos Aires, a été sorti du placard par Jean-Paul II et par Joseph Ratzinger. Mmh. Par le cardinal Ratzinger, oui. Exactement. Parce que il y avait tout un courant de jésuites rouges qui l'avaient un peu mis de côté. C'était l'époque de la crise, une crise entre, vous savez bien, entre le général Arrope et le général jésuite et puis Jean-Paul II. Bon, et puis en Amérique du Sud, ça a été, souvenez-vous d'un voyage de Jean-Paul II au Nicaragua, hein, avec un ministre qui était prêtre d'ailleurs, qui s'est agenouillé devant lui, et Jean-Paul II l'a fait relever, hein, et en agitant son doigt, n'est-ce pas, comme ça, hein, pour bon, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de micro, mais vous savez, il avait le sens de l'image, Jean-Paul II, oui. Et il a bien montré qu'il n'était pas content. Bon, et ben c'est ce même Jean-Paul II qui a tout de même sorti José María Bergoglio, qui est maintenant François, du placard où ses bons frères l'avaient mis, et puis on en a fait un archevêque et un cardinal. Bon, mmh. Alors, je crois qu'il ne faut pas exagérer les oppositions, et je pense qu'ils devaient aimer parler tous les deux, parce que il y a chez les deux, mais pas de la même mode, un côté taquin. Mmh. Et un côté plaisantin. Je me souviens toujours, ma présentation à Benoît XVI, quand on lui a dit, vous savez, il était évêque luthérien, et puis maintenant il est devenu catholique, et il a fait un grand sourire, il a dit, ben il a bien fait. Bon, voyez-vous, on va rester sur ce mot de la fin, Michel Vieux. Voilà. Merci encore, merci pour tout. Hein. Je rappelle que vous êtes au service du diocèse de Paris, patron d'émission également à Radio Courtoisie, et auteur de ce dernier livre, Le Rapport Sauvé, une manipulation aux éditions Via Romana. Merci beaucoup également à vous, Didier Meisto. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.